Allez, bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus. Et nous voilà partis pour la suite de nos aventures. Hop là. L'épisode 4, le dernier du petit let's play. Qu'est-ce qu'on fait en 4 heures sur Dwarf Fortress? Vous avez vu, hein, pas grand chose. On produit du métal, on produit de la bouffe, on peut produire des fringues, on commence à faire attention un peu au moral. Pour l'instant, on a un très bon moral, après on n'est pas nombreux, hein, c'est facile à gérer. On en a 4 qui sont en neutre, tout le reste en positif. C'est après quand ça commence à descendre que ça devient compliqué. On avait quand même une ou deux premiers morts. Ça compte. Everybody. Non, only selected si tu. Ah, everybody do this. Everybody do this. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir aussi. Alors, je crois qu'on l'avait déjà sorti. Ouais, on l'a sorti. Donc en gros, tout le monde peut smooth, donc peut lisser la pierre, au lieu que ce soit de la roche brute, c'est de la pierre lissée, les nains préfèrent. Ils préfèrent les murs construits que la pierre lissée, mais c'est quand même mieux que rien. Et après, une fois qu'elle est lisse, on peut faire des gravures dessus. Donc par contre, quand on sera au moment des gravures, on enlèvera que tout le monde peut le faire, on sélectionnera les gens qui le font, parce que là, en fait, la qualité de la gravure aura quand même son importance. Et on va éviter de faire de la merde, tout simplement. Quasiment tout construit. Là, c'est qu'est-ce qu'on a pas? Mécanique et le joaillier. Mécanique est occupé, bien sûr. On va creuser ça. Et le siège workshop, je ne me souviens plus qui s'en occupe. J'en utilisais que très très peu. Oh, on n'a plus de raffiné de coal. Et là, on va commencer à chercher. On va faire du minage intelligent. Ils ont mis cet outil qui est très très bien. On va mettre en priorité une. On va faire ça. Tétrahydrite aussi, c'est bien. Alors en fait, non, on va se mettre en auto. Voilà. En gros, toutes les cases adjacentes à la case qu'on a demandé de creuser, si elles possèdent l'élément qu'on a demandé de creuser, ils vont le faire. Et il va falloir que je trouve... Il faudrait que je trouve, voilà, bitumus coal, c'est ça que je veux, moi. Et là, il nous faut des choses pour raffiner. Voilà, c'est parti. Donc là, ils vont commencer à creuser. Ça va faire des formes un petit peu crado. On s'en débrouillera. C'est des mines naines, quoi. C'est une forteresse naine, c'est normal d'avoir des petits trucs comme ça. Moi, je trouve ça normal. À quoi comme alerte? Ok, on a une caravane naine qui arrive, c'est très très bien. On n'a plus rien à leur vendre, on va peut-être leur vendre les gemmes. On a beaucoup d'armor stand, ça vaut un peu cher. Ah mais non, je vais tous les utiliser en plus. Est-ce que j'ai fait des choses? Normalement, il y a aussi le diplomate qui va arriver. Il va nous dire, nous, on aimerait bien, et si on peut l'avoir, on leur vendra ça, comme ça on potentialisera l'exportation et ça boostera le fait qu'il y ait des nains qui veulent venir nous rejoindre. Parce que là, mine de rien, la ville produit pas grand-chose et en plus, juste pour le plaisir... Oh la vache, c'est quoi qu'ils ont tué? Ok. Et juste pour le plaisir, il y a des gens qui sont morts. Donc quand les mecs font « Attends, on va là-bas, on gagne pas trop d'argent. » Et en plus de ça, on a des risques de mourir. Ça freine un petit peu. Alors nous on a besoin de rien particulièrement. Que de gemmes. Ah putain, on n'a pas de gemmes coupées. To trade next year. Not with any merchant currently present. Ok, très bien. Donc. Ah putain, je me souviens plus c'était quoi. Donc ce qu'on va faire. Notre manager, qu'est-ce qu'il fout lui? On lui a mis quoi comme woodcutter? Il. On va le mettre en jewelry. Et en fait, ce qu'on va lui demander. F2. Alors, déjà, il va construire ça. Et nous. Attends, on leur met quoi à vendre?
Et qu'on leur met des trucs avant. Je pense qu'on va faire les. On va leur mettre tout ça. On va les reconstruire. Et les weapon rack. Parce que ça coûte pas si cher que ça. C'est du caillou. On les produit vite. En plus, vu que nos maçons commencent à être bons. Ils les font vite, ils les font beaux. Là, on est bon. Donc, on va attendre que tout ça se fasse. Alors en fait là, quand on construit sur un ordre de smooth, une fois que la construction est faite, l'ordre de smooth est enlevé. Donc il faut le refaire si on veut que qu'il n'y ait pas une zone toute cracra quoi. Eh, ils ont smooth cette partie-là. Celle-là, elle est lisse. Il y a du bitumus colle là, ça c'est cool. Ça il nous en faut, hein. Il nous en faut une tonne même. Et on va peut-être se permettre de creuser en long et en large ici, juste pour voir si on détecte pas des... Si on détecte pas des filons quelque part. On va commencer par ça. Et si on va faire un F3. Mais coke. Voilà, on va faire ça. Là, ça va bosser. Ça me permet de terminer l'ordre de faire de l'acier. On va être peu mal. Ceci, ça mériterait qu'on smooth dans le coin, là. Après, le but c'est que tout soit smooth, et une fois que tout est smooth, on est bien quoi. Alors, on va trade. Donc, elle dort, donc dès qu'elle va se réveiller, elle va venir. On va faire l'échange. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on achète des trucs en particulier. On n'a pas de problème de bouffe. On n'a pas de problème de boisson. On a énormément de plantes, donc c'est-à-dire que nos productions fonctionnent. On pourrait faire relativement facilement en plus avec le blé. On préfère de la farine qui permet d'avoir accès à beaucoup de nourriture. On va voir les animaux qu'ils ont. Je vois qu'ils ont une yak femelle. Ça pourrait m'intéresser. Ouais, 830, c'est pas mal. On pourrait prendre les animaux. On récupérerait les cages, hein. C'est pas foufou, mais on va prendre les animaux. Ils font un gros profit. On va trade, ils vont être très contents. Parce que là, on a acheté peu de choses et on leur en a donné beaucoup. F1, on va retourner ici. On va faire le pen and pasture. Alors, il y en a qui sont en cage, donc toi et toi, vous allez là. Et ici. Vous allez là, dans la basse-cour. Et là, vous allez me mettre la femelle. C'est pas mal.
On n'a pas de log. Ils n'ont pas coupé ici. Alors là, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va donner un ordre. On va faire des haches. Il faut des haches pour couper les arbres. S'il n'y a pas de haches, il n'y a pas d'arbres coupés. Steel bar, on commence enfin. En plomb. On va faire en plomb. Des lead battle axe. On peut pas faire de... axe, plutôt. Battle axe. En bismuth. Alors, on va faire... battle axe. Attendez, putain. Excusez-moi. Battle axe. Oh putain, on peut pas faire en ce qu'on veut. On fait en iron. On va en faire que 5. On va faire 2. Et on va faire des... on sait tout ce qu'on va faire. On va faire 2 en iron. Je vais redonner les ordres en bas de en plus. Vous me refaites l'hématite. En repeat. Ça va tourner un peu. On va avoir du fer. Et on va pouvoir commencer à faire des trucs un peu sexy. Parce que les ordres ont été donnés, mais ils respectaient pas les ordres. Là, ils ont fait tout ça. Tétrahydrite, ça c'est cool. Non. Ok, ça a ouvert ici. C'est la vie. Eux, ils vont bientôt partir. Les gars. Putain, les tortues géantes. Calmez-vous. Calmez-vous. Non, les tortues sont pas très rapides, au combat on devrait être capable de gérer, mais on n'a pas d'armes quoi. Et en fait ce qu'on va faire c'est que ça. On va le mettre tout en haut. Je veux que ce soit fait vite. En fait même on va faire ça. Je veux que ce soit fait tellement vite qu'on le fasse là. D'un point de vue d'ordre, ouais ça se tord à fond. Smooth wall, ça commence un peu gentiment à smooth. Okay. Elle se rétracte, ok, elle se rétracte, c'est à la loi, à la loi. C'est là où on se dit que en fait, le fait d'avoir plus de maçons, ça permettrait de produire quand même un peu plus vite. The Twinkling Forest Performance Group is visiting. Ok. Les battle axes sont faites, ça veut dire que normalement, les bûcherons vont aller se les récupérer, naturellement. Armor stand, c'est fait. C'est de la microline. On a de la tétrahydrite ici. Eh, de la lignite, ça permet de raffiner. Ça, je le veux. On va se prendre les deux, là. Non, on va s'en prendre qu'un des deux, désolé. On est à 20, on va rester à 20. Je veux que ce soit des migrants, les prochains. B, military. Weapon rack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire Military Armor Stand. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5.
Là, 10 et 10. Elles se battent contre quoi, en fait? Peut-être qu'en fait, elles se battent pas, hein, tout simplement, elles se rétractent, mais même si elles subissent pas d'agression, c'est que... Mais le jeu gère ça comme une interaction de combat, parce qu'elles le font en combat. Elles peuvent le faire en combat. Alors, les gars, les logs, j'aimerais bien qu'on... Hein? Se mettre ça en 1. Voilà, on va mettre ça en 1. Oh! Il y a des migrants. Voilà, on était à 20, on est passé à 28. Ça me plaît. 9. A priori, on a fait quand même plus 9. On a fait plus 9. On va gérer tout ça. Charpentier, c'est bien. Alors, attendez, en fait, on va faire ça comme ça. Oh, Limemaker, Fish Cleaner, Gem Setter, Charpentier, deux paysans, un mécanique, un bon carver. Parfait. Woodworking. Toi. On a vu qu'il y avait un fishing. Toi. Jewelry. Toi. Craft, il y en avait un. Le bon carver. Le mécanique, on va le mettre en engineering. On pourrait le mettre en scolar hein, si on le souhaite. Est-ce qu'on a un planteur? Est-ce qu'on a donné des... Non, on n'a pas donné des ordres au Limemaker qui va être en farm. Là. Hunter, est-ce que je... Ouais, on va l'autoriser à hunter, mais on va pas lui donner d'armes. Et mes deux paysans, j'en aurais besoin pour faire quoi? Stoneworker, en fait. Deux maçons. En plus de ça, ils vont donner un coup de main. Pour le metalworking. Non, on va les laisser en maçon. Très bien. T'as un tête de Marksdwarf. Lui, on va pouvoir l'utiliser pour se battre. Adéquat planteur, on va. Non, on va en avoir deux qui soient capables comme ça. Si lui il meurt, on a une solution. Ok. Donc là, on commence à être une trentaine. 30, pour moi, c'est une bonne taille de forteresse. Donc on est devenu un hameau. On était un avant-poste. Là, on est passé en hamlet. Parce que c'est défini par les quantités qu'on produit, bien sûr. On va faire le point sur. Est-ce qu'il y a des ruminants? Non, il n'y a pas de ruminants, a priori. Mais il y en a un qui va là. Le cochon, il n'a pas besoin de ruminer, mais il va aller avec le lapin. BOFN, Nesbox. On commence à nous faire des petits œufs. La Giant Tortoise, on s'en fout un peu. On a fait des portes, cool. On deny. F4, BPR. Et on va refaire. L'ordre va être redonné. On va refaire des portes. Ça se mousse. Ça se mousse aussi un peu ici. On pourrait essayer de les capturer et on pourrait essayer de les apprivoiser, hein. Je veux dire, ça passerait. Smooth. Alors ça smooth à fond. Est-ce qu'on les laisse smooth? On va les laisser smooth. Toute notre forteresse est activée. Donc là, on va être dans la partie plus où on regarde. On voit si on a des bonnes idées. Vu que j'ai donné beaucoup d'ordres dispersés. Si je veux être efficace, j'enlève tous les ordres de smooth. Et en gros, je laisse qu'un seul endroit et on avance pièce par pièce. Le fait de faire ça. Ça permettra de. Ah putain, je peux pas faire sous les. Voilà, c'est pas grave. Ouais, certains objets nous empêchent de smooth, a priori. Bon, ça, c'est bien. Alors, en fait, on va se le faire comme ça. On va essayer d'être raisonnable. Ça, c'est quasiment fini. Et après, le puits, on va se le garder, là, ce coin-là, vu que ça va être rapidement fait. Et comme ça, en fait, ouais, ils vont attaquer ici.
Par contre, il va falloir qu'on mine un minimum. Hein. Allez, coco. Qu'on mine un minimum, on a dit. Voilà. Peut-être pas en 1. Peut-être pas ce niveau d'urgence. On doit avoir notre première élection de maire, peut-être. Ils vont élire un maire. Parce que là, pour l'instant, le dirigeant, en quelque sorte, l'homme politique de la situation, c'est notre expédition leader. L'expédition leader est toujours le numéro 1 de votre sélection. Quand les nains partent. Alors, on a un nain qui a pété un câble. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a été possédé. Il a claim. Donc en fait, il a pris un atelier. Il a dit, je le veux! Je vais faire quelque chose, vous allez voir, ça va être fou! Alors, quand ils sont possédés, il va nous faire un artefact, donc c'est bien, on va avoir un joli artefact. Le seul problème, c'est que, en fait, quand ils ont quand ils sont pas bien dans leur basket, ils peuvent faire ce genre de choses. C'est pas le même titre, c'est pas le fait, il a pas été possédé. C'est juste qu'il était taken by a mood. Et en fait, quand ils sont pris par une humeur comme ça et qui font le fait de réquisitionner un atelier pour faire une production, en gros, ça leur permet de combler un besoin. Et ça leur évite de péter complètement un câble. Si jamais ils ne peuvent pas remplir ce besoin-là, c'est comme là, en étant possédé, si jamais il n'a pas les éléments pour faire ce qu'il avait en tête, il va se laisser mourir. Alors, il peut rentrer en berserk, il peut se laisser mourir, il peut devenir fou, se mettre à rigoler, balancer ses vêtements partout. Et ça peut foutre un peu le bordel. Donc, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va juste vérifier. Il a été claim. Ok, et il n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher les éléments qu'il lui faut. Si jamais les aimants il les a pas, faut qu'on lui procure. S'il a besoin d'os, bah faut tuer un animal ou en chasser un. Faire ce genre de choses. Ok, il a conseillé sa construction. Et là on peut le voir. Il est en train de faire tout ça, et c'est très bien. Donc là on commence à avoir des chambres qui sont un peu mignonnes, et ça c'est cool. On va finir de faire ça. Oh, putain, on n'a pas de porte. Est-ce qu'on a du... Fait des mécanismes, ok. Vous êtes sérieux? Vous n'êtes toujours pas allé couper le bois? Ah, les gars. Donc là, on a mis des bines. Et pouf, il y a des bines. Et on n'a quasiment plus rien. Donc le truc est quasiment vide. Ici, on a le droit à avoir des bines aussi. Donc on va les laisser faire. La boisson, on est bon. On a de la bouffe. Ça me plaît bien. Donc c'est un héritage familial et il nous a fait le Moon Goose Bone. Donc il a utilisé les os. Alors le Moon Goose, normalement c'est une noix. Moon Goose, je ne sais pas ce que c'est. On va dire une noix. Il a utilisé des os d'oie pour faire une cage et il a dit que c'était un héritage de sa famille. Je l'accepte. Il n'y a pas de souci. Je ne t'en veux pas pour ça. Ils vont faire ça, ils vont continuer de faire tout ça. Donc là, ça bosse. Hein. En fait, quand vous voyez tous vos nains qui sont en no job, alors quand votre forteresse est complètement installée, c'est normal. C'est là où, en fait, en général, on se penche un peu plus sur le côté militaire. Parce qu'occuper 50 nains, ça prend du temps, quand même. Item, ouais, il a pas de... Terrible ça. Ils ont pas récupéré les haches que j'ai produites pour eux, malheureusement. Midstone, Jet. Ah oui. Après, on peut faire si on veut. Alors, on va regarder nos. Cloth. Silk, pigtail. Alors, on va faire en pigtail. Tunique, silk, yarn, cloth, tunique.
Alors, on va faire un ordre redondant, on va mettre 5. J'ai pas envie d'en faire trop non plus. Et l'ordre redondant, ça va être... Ça, c'est bien. On va mettre en 5-5. Des pantalons. Close trouser, pareil. On va en mettre 5. Hop, hop. 5, 5. On va voir si notre production de pigtail est suffisante. Hood. En gros, on va essayer de produire des vêtements de façon cyclique. Au début, on va pas trop pouvoir parce que notre production suit pas, donc on aura pas mal de messages d'erreur liés à ça. Mais au moins, c'est installé. Quand on va commencer à augmenter la production, ça sera bon, ça sera fait. Tunique. On a déjà fait la tunique. Donc, en gros, pantalon. Tunique, c'est pour le tronc. Hood, c'est pour la tête. Des gants. Glove. Close. 5. Et les nains, en fait, vont se servir là-dedans pour changer leurs vêtements de temps en temps. Ça permet aussi de gérer un peu le moral, parce que quand ils ont de quoi s'habiller, ils sont plus contents que quand ils ne peuvent pas s'habiller. Et des choux. On va pas faire en soie, parce que la soie, j'en ramasse pas, tout simplement. J'ai pas ouvert la caverne pour aller chercher de la soie régulièrement, je veux pas le faire. Bon, on va rester là-dessus. Nos seeds. Oh, pas cool. Pas cool. Va falloir qu'on en rachète. Oh, je les ai pas toutes. Si, il semblerait que j'ai massacré mes seeds de pigtail. Ça n'a pas marché ce que je veux faire. Ok. Ah, je l'ai lu, c'est vachement bien ça. J'ai adoré. La petite sauvegarde. Vous avez les commentaires de Mawa sur ses bouquins à côté. Nous. Et là, on va leur dire. Allez, c'est au tour ici. On va smooth ça. Ça, on va juste se l'enlever. On va enlever les hôtels. On peut faire des statues en or aussi qu'on peut mettre à différents endroits pour que quand les nains passent devant, ils sont tout contents. Donc là, comme ça va permettre de smooth assez vite. Et on va se retrouver avec une forteresse où les nains seront plutôt contents d'y être. Pareil, hein, tous les ateliers. Le but, c'est de tout smooth à la fin. Mais on va faire. Si on fait secteur par secteur, ça va quand même avancer relativement plus vite. Beaucoup plus vite. Pourquoi je l'ai pas fait celle-là? Attends, on a du Fisherman Friends. It's a bit strong. Ça c'est bien. Ils ont quasiment fini la pièce. Ils sont quand même nombreux à rien foutre. Donc dès qu'on donne ce genre d'ordre, ils vont le faire en masse. Ça va nous permettre de faire ça. On a fait l'acier. Il nous reste 14 iron. On commence à avoir des barres là. Coke, sans cesse parfait. 14 iron bar. Pigiron, en faire 10. On n'aura pas assez de fer pour finir ça, mais ce cycle-là, mais on va quand même faire ça. BFP pour les hôtels.
On va venir replacer tout ça gentiment. Voilà, ça c'est beau. Là, ça avance assez vite. Voilà, donc là, on voit la qualité de la pièce. Hein. C'est déjà un peu plus beau. On pourrait peut-être se permettre de mettre un ou deux nains en tavernier qui viennent entretenir tout ça, qui fassent vivre un peu, comme les gens qui font des performances. C'est des choses qu'on peut faire. Ça avance quand même relativement bien. En général, il commence à avoir des demandes quand on a une forte population d'un certain type. Du genre faire des guildes, faire des choses comme ça. Ça, ça va être bien. F4, on n'a pas creusé ici. F3, je pense que ça serait intéressant qu'on fasse ça pour eux, les pauvres. Ils sont tout seuls, tout au fond. Ils mériteraient peut-être qu'on les bichonne un peu. Ça, ça va être fait. Location. Taverne. Ok, donc la première... Bon, celle-là, on s'en fout un peu. C'est la deuxième, The Oily... Le Woodburner, c'est un adéquat danseur compétent de speaker. Ça, c'est bien, ça. Le seul problème... Ouais, on va quand même faire ça. Et en taverne, le manager. On peut mettre nos performeurs. Ah mais non, c'est déjà un performeur. Ok. On va mettre le manager. Donc là, on a un manager, un performeur pour ici. On va pas prendre plus de monde pour l'instant. J'aimerais bien être capable de gérer ça. Voilà, c'est pas symétrique. On va attendre qu'ils viennent déplacer ça. Là, ça va être symétrique. On a plein de chiens. Allez, ça creuse. Quoi, ça creuse ? Ça lisse ! Donc voilà, là, en gros, c'est... En gros, normalement, les trois premières heures, les deux premières heures, il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Là, je pourrais mettre d'autres choses en place, du genre, si j'avais un projet à la surface de genre monter, là, je pourrais très bien faire ma tour, faire mon poste d'avant-garde, ce genre de choses. Pour comme ça, peut-être refuser l'accès à mes, aux tortoises. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire plaisir. Alors, déjà, on va... Alors là, on va pouvoir creuser dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire... Alors, attendez, en fait, non. On va peut-être commencer par le début. On va se faire des rock blocks. Pour que ça coûte... Parce que ça va coûter cher, ce que je veux faire. On a beaucoup de bauxite. On pourra en faire 200 en bauxite. En chalk, on va le garder. On va faire en bauxite. On va en faire 40. Ça va faire 160. Je pense qu'on aura quand même de quoi faire. Et en fait, on va demander à nos mineurs. Voilà, ils commencent à bosser, nos mineurs. J'aime bien qu'ils bossent à d'autres endroits un peu. Quoi, limite ? Bref. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est ici. On va essayer de se faire des grandes salles, hein, tout simplement. Et ça va nous permettre
de voir venir, tout simplement. Là aussi, on pourrait se faire des grandes salles. Et déjà, ils vont creuser tout ça. Ils vont creuser tout ça. Story theme. Ils ont fini en bas. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors par contre, ce qu'on peut faire, ça c'est un truc aussi que j'aime bien faire. Hop. Le couloir qui mène en bas. Attendez. Là, on est bon. Et là, on le fait jusqu'en haut. Au moins, ça sera smooth tout du long. Ça va prendre un peu de temps aussi. Et ça va nous emmener. Urdi Manopearl, being the rightful heir, has inherited the position of Baron of Leaf Basement. Ok. Donc, normalement, c'est pas chez nous, Leaf Basement. Mais grâce à un héritage, il était capable d'avoir une position de baron. Alors, est-ce que c'est l'un de chez nous? A priori, non, on n'a perdu personne. Alors, fais voir noble. Ah, si. Ah, il est chiant. Ah, allez, c'est parti. Il lui faut une dining room, donc une salle de banquet, de dîner qui soit décente. Il lui faut une tombe. Une study, des quarters. Donc, notre premier baron. On va se faire ça. Ici, on va creuser en 1. On va creuser en 1. Alors notre baron. Study. Dining room. Et sa chambre. Sachant que pour une tombe après, on va aller ici. On va faire zone. Servante burial chambre. Ah, elle n'est pas assez classe pour lui. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va remove. Je peux pas remove. Je peux faire ça. BPR. Ils ne produisent pas mes trucs en granit. Ça me saoule. En jet. Let's go. En jet. Et forcément, les ordres ne marchent plus en granit. Ils vont être en jet. Et en fait, le truc, c'est que s'il n'est pas content, il va commencer à nous mettre de plus en plus de... Il va dire, bah en fait, il y a des trucs que je refuse que vous exportiez. Il va donner des ordres. Puis GM, voilà. Tu vas le faire en repeat. Et on va pouvoir faire des vitraux avec les gemmes taillées. Ça va être bien. Ah. Ok, on a les portes qui sont lancées. On va commencer à mettre les portes. Alors normalement, il va lui falloir aussi quelques objets. Il va lui falloir un weapon rack, un armor stand, deux coffres et un cabinet. J'ai plus de coffre. Un coffre, BFN, un cabinet. On n'a pas de cabinet, hein, bien sûr. Donc, de toute façon, wooden cab. Alors, on est 30. Il n'y a pas de secret. On va faire 31 pour lui. 31. Le weapon rack.
Là, c'est bien. On a les portes en... Ah, yes! Les portes qui commencent à sortir. Hop. On n'avait plus assez de granit pour continuer l'ordre. Donc, quand les ordres ne sont pas donnés en répétition comme ça, faut se poser la question. Bedroom, let's go. Hop. Le baron. On va se faire une petite zone maintenant. Une office. Down. Et on va faire dining. Ici. Down. Office. Ça, c'est pas mal. On va leur dire, vous nous smoussez tout ça là. Ça, c'est bien. Ça va aller vite. Il n'a pas de tombe. Et il lui manque le cabinet qui n'est pas installé encore, mais qui devrait pas tarder à arriver. On a les Nestbox qui sont finis. Ça, c'est bien. BFN. BOFN. Pour atelier farming Nestbox. On est pas mal. Voilà. Donc là, il a fait une demande. Attends. Ok. Il a fait une demande, mais je la vois pas, sa demande. Normalement, quand ils font des demandes, ça apparaît ici. Là, je le vois pas. Bon, ça me va bien. Et en général, ce qu'ils demandent à faire, si vous le faites pas et que vous avez un système de justice, bah, les nains qui ont, entre guillemets, empêché ça veut dire les nains qui avaient la compétence de le faire et qui ne l'ont pas fait, c'est Chichi. Ils peuvent se faire emprisonner, battre à mort, tout ça, tout ça. Ok, ça avance bien. Il a toujours pas de tombe. On va s'en occuper de ce pas. BPR. Faire une tombe là. Bien sûr, on va smooth. Parce qu'on n'est pas des pouilleux. Ah, il a une grave, mais il n'a pas une tombe. On va améliorer tout ça. On va donner un petit ordre. Gold statue. Si vous avez besoin de monter le niveau des pièces, vous foutez des statues en or. En général, ça aide. Ça aide même plutôt bien. Wooden cabinet. Putain, vache. C'est là où on se rend compte que là, j'ai donné des ordres. Ça va très vite parce qu'on a plusieurs ateliers, on a plusieurs personnes qui travaillent. Et surtout, les mecs commencent à devenir compétents. Donc, ils avancent très très vite. BFH, ça va être ici. BFN, ça va être là. Et normalement. Normalement. BPR, tu viens là. Let's go. Ça va être installé. C'est marrant, ça, je vois pas les. Servant de Burial Chamber. Il y a des ordres qui sont donnés. Quand les ordres seront finis, ça sera plus une Burial. Chicks have hatched. Ok, donc là, on a des œufs qui ont été pondus. Lignite, ça c'est cool. Très bien qu'on fasse ça, les gars. Apportez-moi ça là. Voilà, donc là on est vraiment dans le jeu et c'est là où on voit nos petits nains travailler, on donne les ordres, on espère que ça se passe bien. Et là tout ce qu'on fait c'est qu'on croise les doigts qui est pas. Du genre là, on peut voir en haut la face de la lune. Qui est pas un visiteur qui soit sensible au cycle de la lune et que le jour où soit une pleine lune, ce visiteur sensible au cycle soit chez vous et qu'il ait exprimé sa sensibilité. Voilà. Mec, steel bar, 10. Normalement, on en sortira 20. Et on va être peu mal. Est-ce qu'il y en a qui foutent rien? Non, ils se moussent. Ah là, ouais, ça se mousse tout là, là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que les deux mineurs, on va leur dire non, vous n'avez plus le droit de faire autre chose que ce que je vous ai donné comme ordre.
Donc, ils vont finir ces chambres-là. Ça va aller assez vite, après on va les remettre à leur... On va les remettre à leur loisir. On va tout smooth, après on installera ce qu'il faut. Parce que là, vu qu'on a donné des ordres de smooth, et que les ordres de smooth sont assez importants. Orthoclase. Chalk bauxite. Non. En fait, c'est ça, c'est qu'on n'a plus vraiment de roche là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cet ordre-là et on va dire rock mécanisme. On s'en fout des matériaux. Tu m'en fais 20. Et les ordres, 10, 10. Quand ça en a l'ordre redondant, il utilisera de la roche, on s'en fout de laquelle. Les dors ont été finis, ça c'est bien. On va continuer de creuser par ici, ça va nous apporter du jet. Ça me plaît bien. Ok, voilà. Et là, on va pouvoir voir un petit peu comment il est. Alors, il n'est pas content. Servant de Burial Chamber. Il a une étude, il lui faut une étude décente. Il lui faut une chambre, et il a une chambre, et il a une chambre, et il lui faut une chambre décente. Pareil, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est. Est-ce qu'ils ont fait les gold statues? Nope, pas encore. On va attendre qu'il les fasse. Et on va améliorer tout ça. On a fait des blocs de bauxite. On pourrait commencer à construire à l'extérieur. Gold bar, mais on a des gold bar, qu'est-ce que tu me racontes? On en a que deux? Oh, on en a que deux? Non. Attends, j'ai foiré à ce point-là. On va les mettre en silver en fait. Désolé. Ah, attends, en fait, on va les mettre en silver. On va les mettre en quoi? Silver, on en prend 3. On peut en faire 6. On va en faire 6. On va en faire 6 en argent, des statues en argent. Alors, après, ce qu'on peut faire autrement, c'est notre petit noblion là. Le baron of Leaf Basement. Qu'est-ce qu'il aime? Il a besoin d'alcool pour passer le long de le pour supporter sa journée. Il s'en fout du reste. Waouh, ok. Un jour, il a été pris dans la pluie, ça lui a laissé un effet de stress post-traumatique. Alors, il aime le rutile, le nickel silver. Ok, nickel silver. Est-ce que je peux faire du nickel silver? A priori, non, on peut faire du sterling silver. Bon, on va pas se poser de questions. Silver statue, on peut en faire que 6. Là, on va être bon. Et sincèrement, on préfère une Iron Anvil. Iron Anvil, on en fait une. Parce que c'est ce qui va nous manquer pour faire. Ici. Pour faire le deuxième. Comment ça s'appelle? Une deuxième forge. Nidlock, non mais t'es sérieux? Putain, ils ont déjà tout coupé. Vous avez pas tout coupé, les gars. Hein? C'est vrai que je consomme un peu de bois quand même. Hein?
Ça, par contre, ça coupe. Tous les arbres qui sont proches, faut que je les coupe pour que les créatures ne puissent pas prendre appui sur l'arbre et sauter chez moi. Ça, c'est important. Ok. Est-ce qu'on le voit apparaître? Oui, il veut qu'on fasse des portes. Alors, des portes, on en fait naturellement. En plus, donc ça, c'est un bon point. La petite sauvegarde. N'a pas vraiment de défense installée. Ça, c'est quelque chose que vous avez pas vu. À part, j'ai fait 2-3 pièges là pour éventuellement préparer les cavernes. On n'a même pas eu à les utiliser. Donc ouais, vous n'avez pas vu les groupes armés, c'est dommage. C'est un point qui est quand même sympa. On a fait l'Iron Anvil, donc ce qu'on va faire, c'est on va creuser en 1 ici. Et on va faire BO Magma Forge. On va attendre qu'ils aient fini de creuser le trou. Et on va faire la Magma Forge. Ça, quand on enverra des trucs du genre vous me faites 10 armures, 10 armes, bah, au lieu de faire les 10 sur le même atelier, il y aura deux ateliers. Et vu qu'on a plusieurs personnes qui s'occupent du métal, ça pourra permettre d'avancer les commandes un peu plus vite. On n'a plus de boisson. On n'a plus que un en boisson. On va remédier à ça. Let's go. F2. Ici, boisson. En repeat. Ici, boisson. En repeat. C'est fou ça, hein. On coupe pas les arbres. Vous pourriez, hein. Putain, vache, tout le chalk qu'on a récupéré. Il y a que du chalk ici, un peu de bauxite là. C'est toujours du chalk. Pas mal de lignite, ça c'est cool. Un peu de micro. La microline est exploitable. Je pense qu'on va se creuser un truc là, comme ça. Alors, on va se le faire en. Bon, on se fait en 1, c'est très bien. Ouais, on conserve de la microline. Ça, c'est des trucs qu'on va pouvoir exploiter gentiment. On a les blocs de bauxite. Je sais que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. BNL. Select matériel. Hop. Bauxite bloc. Yes. Passage. Tac, ça, là. Bauxite bloc. Yes. Bauxite bloc. Yes. 1, 2, 3. Bauxite bloc. Yes. Ça aussi, ça va les occuper un petit peu. On va se faire un système de double pont-levis. Hein. Très, très basique, très classique. On va essayer de. On va faire un. Je sais pas quelle hauteur on va monter. On abuse un peu. On prend personne d'autre, on est à 29, c'est bien. On a fait les statues. Ah, on a un consort qui est venu nous rendre visite, ça c'est bien. On a fait les statues, donc ce qu'on va faire c'est BFS. Je crois que c'est S, les statues. On peut voir. Non, c'est U. Non. Mauvais. Une statue ici. Et on va faire une statue là, deux statues ici. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 statues d'installer. Allez, on va apprendre, on est à 30, c'est tout pile. On a les boissons qui commencent à remonter, ça c'est bien, on a les plantes qui diminuent. BNL.
Ce qu'on va faire. On va. Alors. Je vais essayer de pas me craquer. On va se faire trois étages, ça me paraît bien. On va essayer de s'occuper avec ça, ça va les amuser un petit peu. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils construisent, ils construisent. Il y en a quelques-uns qui foutent rien. Alors ça, c'est les Eradicating Monsters, hein, on le voit ici, hein, c'est leur rôle. Alors, pour les armées, ça va être le commandant de la milice. Shérif, ça va être pour arrêter les gens. Hammerer, donc c'est le bourreau, c'est celui qui va appliquer les sanctions. C'est pour ça que parfois, les gens, c'est très rare qu'ils notent des hammereurs parce qu'ils peuvent tuer les nains. Le mec, vaut mieux lui mettre un marteau en bois parce que sinon, quand il éclate le nain, il l'éclate pour de vrai. Vaut mieux faire des cellules de prison, comme ça le shérif enferme et on n'a pas besoin de l'hammereur. Et le messager, c'est si on veut commencer à faire des missions à l'extérieur. Chose on n'y est pas encore. Allez, ça bosse dur. On a quelques. Ouf, oui, bah oui, on est passé de 30 à 46, 16 personnes. Voilà. Quand on commence à produire, c'est pour ça qu'il faut mettre une limite au début. C'est dans les paramètres avancés de la création de la seeds. Parce que là, je vais avoir maximum plein de gens. Maximum 200 personnes, c'est ouhou. Tiens, toi tu vas miner, ça va être bien. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien. Alors le kitchen, ça va être bien. J'aimerais bien y mettre le butcher dedans. Et le guelder, voilà. Engineering, ça c'est bien. Stonecrafter, alors craft, on n'en a que deux, c'est peu. Trois, c'est mieux. Ah, weaponsmith, adéquate surgeon, adéquate, là, voilà. Là, on va pouvoir les nommer, ceux-là. Stoneworker, on est cool. Woodworking. Ouais, allez, ils vont être trois à bosser. Adéquat boyer, faut peut-être pas déconner non plus. Il nous reste quoi à nommer? Farmer, farmer. Farmer, farmer. Ok, alors on va remplir. Farmer, à chaque fois, il y en a toujours beaucoup parce qu'il y a vraiment de tout dedans. En gros, c'est notre main-d'œuvre pour construire, basiquement. Ils font quasiment rien. J'aurais besoin d'aide où? Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'aide quelque part. Les paysans. Animal dissect. Ouais. Faut quand même leur donner un métier, c'est mieux. Alors, on va leur donner ce métier-là. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est. On va faire Militia Commander. Le fiche. Oh! Proficient Tactician. Donc, toi, tu vas être notre Militia Commander. On va se faire une petite escouade. Comme ça, en plus, vous allez voir ça. Une escouade en 4 heures de jeu. Je vais pas mettre d'uniforme pour l'instant, parce que j'ai pas encore fait ce que je voulais. On va y mettre les nains. Donc, on va assigner les positions.
Les gens qui servent pas à grand chose, ou les gens où on a beaucoup de gens, genre les mineurs, on va se les garder. Le métal, on va se le garder. On a quand même pas mal de gens qui font du craft, donc on peut se permettre de se servir dans le craft et dans les fermiers. Stonecrafter, je vais le garder. Le bone carver, par contre, toi, tu dégages. Il me manque deux personnes. Closier, on a quand même pas mal de crafters. Et un milker, ça va être bien. Donc là, on a une escouade qui est complète. Cette escouade-là, il faut qu'on lui donne des ordres. Donc on va travailler sur leur kédule. Et on va dire Staggered. Donc quand on voit, en gros, 3 mois s'entraîne, 3 mois fout rien, 3 mois s'entraîne, 3 mois fout rien. Malheureusement, on a beau lui avoir donné cet ordre-là, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lieu où s'entraîner. Donc ce qu'on va faire, c'est zone, barracks. Ici. Let's go. On accepte. Et là, on va dire, bah, vous vous entraînez là. On pourrait leur dire, vous dormez ici. Vous en mettez des lits. Et vous pouvez ranger vos items. Donc on va leur dire de ranger leurs items ici. Et là, en gros, voilà. Ils vont tous venir. Parce que là, c'est un des mois où ils bossent. Où ils sont. Et ils vont s'entraîner. Donc on va voir, ils vont commencer à avoir des ordres. Là, voilà, les recrues. Donc là, ils sont en train de suivre un cours sur l'esquive. Ce qui est bien en soi. Et on va commencer à avoir nos gens qui vont être compétents. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir faire équipement. On va pouvoir leur mettre un uniforme. Et en fait, l'uniforme, on va le définir. Je veux un casque qui est en fer, je veux un truc en acier, je veux telle arme et tout. Et en fait, ils viendront tous chercher ça. Il leur faut un sac à dos, il leur faut une gourde. Comme ça leur permet de rester longtemps actifs. Et c'est ça qui va permettre de définir. Donc là, en gros, on a la base, on a vraiment la base. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite session, 4 épisodes, 4 heures de jeu à peu près, hein, quelques minutes près. Ça permet de voir un peu ce que le jeu a dans le ventre. Il y a quand même pas mal de choses à faire, on peut s'en rendre compte. Là, on va commencer à avoir notre première escouade armée. C'est pour ça que j'ai fait de l'acier pour pouvoir les équiper, parce que l'acier, un des meilleurs, à part l'adamantium, c'est le meilleur matériau pour équiper les gens. Et voilà. Je sais pas si je vais continuer cette forteresse. Je vais sauvegarder. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à faire des retours. S'il y a des trucs que vous voudriez voir, vous pouvez toujours essayer de demander. Si je suis d'humeur généreuse et que c'est dans mes compétences, on verra pour éventuellement le faire. Et ça va être pas mal. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée en tout cas. Prenez bien soin de vous. On va sauvegarder quand même. Hein? Voilà. Hop là, on sauvegarde tout ça. Et moi, je vais vous dire à bientôt. Bye bye tout le monde.